L'homme dit avoir créé le langage et l'écriture. A-t-il au moins vu ce que nous compte la nature ? Toute chose vivante est écrite dans un ordre précis. Le code génétique est un fabuleux récit. Plus fort que binaire, le vivant est quaternaire. Un alphabet à quatre lettres formant deux paires. Oh vous, mes amis, vous êtes bien plus qu'un roman. Lire un seul génome me demanderait 27 ans. Du cheval au cygne en passant par l'olivier, toute forme de vie sur Terre a un message codé. Certains pensent que l'humanité vient d'une comète. Ce qui est sûr, elle est l'union de deux gamètes. Chacun offre un exemplaire à son être cher. Un chromosome lui vient du père, l'autre de sa mère. D'une cellule diploïde émergera l'enfant. 46 chromosomes pour son bon développement. Ainsi, la vie est gravée en chacun de nous. Dans le noyau, un véritable plan d'architecte. Le code se lit quand la chromatine se dénoue. L'acétylisation d'histone libère le texte. Un élément se chargera de lire le plan. Ce scribe est aussi un réplicateur puissant. Lecteur assidu, il répare toutes les erreurs. L'ADN polymérase. Quel grand rédacteur! Dans l'océan, il dit au poisson, tu nageras. Et sur la terre, il dit au guépard, tu chasseras. À chaque espèce, un code qui le définira. Ce qui nous unit, il nous dit à tous, tu vivras. Pour conserver à jamais cette magnifique prose, la nature a eu l'idée de créer la mitose. Nos cellules se divisent pour se multiplier, à l'image des hommes sur la terre éparpillés. Ainsi, les générations se sont succédées. Une multitude d'histoires nous a été contée. Bien que parfois se soient enchaînées les batailles, la vie, grande gagnante, tient tête et jamais ne défaille. Les lettres ne suffisent pas. Voici le mode d'emploi. La lecture se fait par codon au nombre de 3. Chaque triplet nous mène à un acide aminé. C'est ainsi que toutes nos protéines sont formées. C'est l'hémoglobine qui fixera l'oxygène. Et sa structure est déterminée par nos gènes. L'information est parfaitement millimétrée. Un minuscule gène nous permet de respirer. Je vous décris ici un monde parmi les mondes. C'est tout le vivant que l'ADN inonde. Présente dans les milliards de bactéries en nous, par cette symbiose, elle digère et pour nous se dévoue. Face au prodige, on ne peut que se sentir ingrat. Humble, le code combat des ennemis que je ne vois pas. Il ordonne à mon corps de produire une armée et détruit tout agent pathogène détecté. Nul ne vous a sauvé la vie autant que lui. Combien de cellules cancéreuses a-t-il détruit ? Lorsque l'homme chante, qu'il dort, qu'il pleure ou bien qu'il rit, l'ADN s'évertue à le garder en vie. Quand nous nous délectons d'un merveilleux repas, c'est le moment où s'enclenche notre pancréas. Le code ordonne la production de l'insuline. Ainsi, le glucose quitte la circulation sanguine. Que dire si ce n'est que nous n'avons rien inventé ? Les machines les plus sophistiquées peinent à stocker. À l'ère du big data, l'information pollue. L'énergie consommée fait office de sangsue. La nature bat la machine pour stocker les données. Son code quaternaire offre une grande densité. Ainsi, de nombreux chercheurs espèrent l'exploiter. Il suffirait d'une pièce pour contenir les données de toute l'humanité. À force de l'étudier, je ne peux que m'incliner. Le vivant semble savant et m'a impressionné. Exister est un miracle, on ne peut que l'admettre, car il a suffi à la vie 4 lettres pour être.